avez l'habitude de voir des serres dans les régions de maraîchage. Au-delà de protéger les cultures des intempéries, savez-vous qu'elles présentent d'autres avantages pour la culture des fruits et légumes ? La production sous serre nous permet d'être à l'abri des intempéries, le vent, la pluie, la grêle. La serre nous permet aussi de travailler en protection biologique intégrée, c'est-à-dire l'utilisation d'insectes auxiliaires pour lutter contre les ravageurs de la tomate. Nous introduisons des insectes auxiliaires qui vont se reproduire dans la serre et lutter contre les mouches blanches, les araignées, les pucerons, les mineuses. Et donc cela nous évite de faire des produits de traitement sur nos cultures. On travaille aussi sur la solarisation. La solarisation, c'est la désinfection du sol naturel grâce à un film plastique qui va faire monter la température de la serre et désinfecter la serre naturellement grâce à la chaleur qui est procurée par le soleil. Nous avons toute la partie fertilisation qui est réalisée à partir d'engrais organiques. Grâce à la production sous serre, nous arrivons à produire des tomates en agriculture biologique du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Envie d'en savoir plus sur les fruits et légumes ? Rendez-vous sur Graines de Savoir.